Bonjour, je m'appelle Philippe Labadens, j'ai 68 ans, je suis retraité. J'ai fait une carrière de technicien en conception d'équipements automatiques et management de projet. C'est le travail qui m'a conduit à venir m'installer à Romans il y a 22 ans avec mon épouse et mes 6 enfants. Et nous avons tout de suite été séduits par cette ville, par sa dimension moyenne qui en fait une ville très conviviale et par son exceptionnel patrimoine historique et culturel qui nous a vraiment donné envie de nous y investir. J'ai été actif pendant plusieurs années dans des associations et j'ai pensé pouvoir me rendre utile au niveau du service à la collectivité. Je me suis présenté, j'ai été élu en 2008 sur une liste d'opposition et en 2014 avec Marie-Aline Toraval où j'ai occupé la fonction de premier adjoint avec les délégations du personnel, de l'urbanisme et de la satisfaction des usagers. Nous avons conduit de nombreux projets, de nombreux sont aboutis, d'ailleurs en particulier tous ceux qui avaient été inscrits à notre programme électoral en 2014. Mais il y a des projets dont la durée est beaucoup plus longue que celle d'un mandat. Donc nous avons encore beaucoup de projets engagés et nous avons encore des idées. Et j'avais envie de poursuivre cette expérience aux côtés de Marie-Hélène et de toute son équipe. Romans-sur-Isère, en un mot, un joyau. Marie-Hélène Toraval, en un mot, un chef, un vrai chef.